kolembate ko crier pe ko ganga na mingongo pe na monoko na biso parce que mboka oyo Congo tozana ngoka ka moko tozana pays mosusu te kolobela badongolo miso batu nyoso oyo balingi mboka oyo avancer te ko ganga pe ko belela population congolaise nyoso bayoka bayeba yeba batu oyo balingi avancement ya mboka oyo te tomoni ndenge nini ba agent na biso oyo bazali na lutte contre trafic ba uti ko kanga ba trafiquant na kati ya ya no ya mboka ya est ya pays na biso ba trafiquant oyo bazali ko trafiquer drogue e bazali ko trafiquer or na kati ya partie est ya mboka na biso bazali ko bimisa ba or massif bazali ko bimisa ba kilo na ba mbongo to ko tanga ba kombo na bango na émission oyo parce que tozali déjà na information nyoso au complet na kati ya émission na biso lelo ba kombo na bango ezali to ko mona bango pe to ko yeba bango parce que bazali bato oyo balingi développement ya mboka oyo esali mate bongo tomoni ndenge kani lelo oyo tozali ko kitisa susu motu pona kosenga na chef de l'état lelo oyo bandeko bazali ko kufa 10 morts na 10 blessés bauti ko kufa bongo na Nord Kivu na Lubero nini mvula lisusu ebeti pluie torrentielle et bomi lisusu bandeko tokolo aboni boni na ministère ya aménagement du territoire oyo lelo oyo lokola azalaki kosala mosala te nzamba bimisie na mpoisa alaki si ete lokola ovandaki na bureau ozalaki konimba lelo sikoyo moni o préparaki territoire na yo te o préparaki misala sengeli osala te lelo oyo tala nzamba bimisi misala na onyo swa na mpoisa o mérité kozala na place wana te gilwando esengeli olongwa voilà tokubeta lisolo na kati ya misio ya lelo tokolobela lisusu population ya est ya mboka na biso basengi départ bazali mobilisé balobi est ya mboka na biso EAC elongwa soki EAC elongwa te marche monene ekozala organisé pour que population asenga départ ya EAC alors tolingi te tokoma na makambo ya nyoso yango na kati ya misio ya lelo nazali na esengo ya koyamba le sénateur mwana mboka mwana oyo azali kosala fierté ya mboka na biso et surtout fierté ya bakombatant nyoso ya I2PS mwana mboka sénateur Marcel mboka mbote na yo Bote, messieurs les journalistes. Nabanzi ete lelo oyo, tozali kolobela, tozali ko décrier situation zali koleka na est, mais zali pe na ba congolais mususu oyo bazali ba dongolo miso, balingi ete est ya mboka na biso tikala toujours na insécurité, pote ba profitaka koyiba, ko profiter koyiba minere ba or, ba mongo ba trafic ezali ko salema, tomoni ndenge nini, ba kilo e ba or e kangami bongo na bato oyo bazali to bengi ba dongolo miso ba mbana mboka, mais bazali ko collaborer na ba libanais na ba expatriés pour que bayiba ba minere ya mboka na biso ezali kosala pasi mwana mboka. Ezama wa mingi mwana mboka ya komona ba congolais o baza impliqué na mafia wana ya exploitation illicite na vente illicite ya ba minere congolais auprès ya ba ennemi ya Congo. Je pense le chef de l'état a outer okata ba coopération nyonso économique ba accord nyonso économique au Congo signé na Rwanda. Parce que le Rwanda est le principal agresseur ya mboka na biso. Boni ba congolais na ba oyo ba sala na ba service à renseignement na ba s'occuper ba parce qui s'occuper ya gouverneur o ba sala na DGM bloc wana nyoso baza impliqué pour na ko fournir minerai na Rwanda pays agresseur ya mboka na biso. Et ça la passe na mutema ndeko. Et on a écouté ça au awa l'inconscience collective ne bomboka na biso. Yango omoni yango lelo. Même ça que le chef de l'état peu importe la volonté qu'il a, il y a des mieux faire. Peu importe la vision qu'il a pour le Congo, il ne peut pas travailler seul. Il faudra que Batou O baza ko entouré, baza ba responsabilité ba poste ba opesa bango, baza na même vision na ye, puis baza na bolingo ya mboka. Voilà lelo ozo mona lelo mboka o ezali détruit na ba congolais biso moko. Lelo ba oyo baza impliqué na biloko wana, baza ko accompagner ba dongolo miso ezaka ba congolais. Directeur ya ANR. Je pense qu'il est redoc ya ANR. To otanga ba kombo na bango déjà na kati ya liste oyo parce que to lobaki ete Congo Life Television tozali ko bimisa poisson en poisson. Batu nyoso oyo balingi développement ya mboka oyo te. Batu nyoso oyo bazali ko travailler na ba rebelle, na ba libanais, na ba ndeko nyoso balingi développement mboka oyo te. Kombo na bango lelo tozali na moko oyo azali Solange Diabintu azali DGA et directeur général adjoint provincial ya DGM ko tala ndenge structure monene ya mboka na biso boye. Oyo batindi lokola moto ya DGM na kati ya sud
Kivu lelo oyo akomi na ye moto ya kati ya trafic ezali ko pesa passe tozali ko mona bongo Kwame Lidodo azali directeur général provincial ya ANR tala ndenge mboka bandeko bazali ko yokisa mboka ba structure ya mboka la biso Sony tozali na Cheze Mwepu Kaltombe azali bongo directeur provincial ya CEC et puis tozali bongo na Ide Bakula azali conseiller ya gouverneur ya Sud Kivu bandeko tala bandeko oyo bazali ba haute autorité ya mboka na parti ya Sud Kivu metala des autres tala des autres bazali ko kotisa est-ce que lelo oyo tokoki koloba nini parce que ba haute autorité bazali ko permettre trafic et salema bazali ko permettre trahison et salema tokoloba nini na parti est ya mboka na biso na yebisa ki yo que Congo ezali victime ya complot o ba impliqué na bana mboka biso ba congolais ba inconscient voilà lelo oyo ba oyo ba sala la base ya ko facilité ozali contrebande ya ba minerai na mboka na biso ba bimi na poisa ba o responsable ya DGM ya ANR ya CEE na je crois na conseiller ya gouverneur Ngwabiji est-ce que le gouverneur asa impliqué na makamu wana te ya mwana te to moni ba député promesse bazo kwisa gouverneur wana parce qu'il est impliqué aussi ba biloko oyo to koyeba yango parce que voilà pour... à chaque fois Théo Ngwabidji azali toujours frappé lelo oyo ba député bazali na raison to bazali na raison parce que comme on a conseiller na yemo bazali impliqué et puis ba haute autorité ba structure ya minene lokola DGM lokola ANR lokola CEC et puis na conseiller ya yemo ko gouverneur azali na carte ya trafic ba présenter bango même liboso ya ministre Nicolas Kazali ya finance liboso ya ministre ya mine Antoinette Samba liboso ya ministre ya justice Rose Mutombo balakisi bango tête voilée que voilà bato bazali ko permettre trafic lelo oyo est-ce que gouverneur il peut azali na kati ya masolo wana te je comprends pourquoi lelo ba député provincial ya Sud Kivu ba kwesaka gouverneur Théo Ngwabidji parce que baza impliqué na makambo ebele la preuve là to moni conseiller na ye na kati ya kabinet na ye aza impliqué na biloko oyo ya ba contrebande oyo esema na parti est ya mboka na biso c'est vraiment regrettable mon na mboka ya komona be fort oyo les chefs d'état est en train de faire par rapport ya mboka na biso telema mais kaka ba congolais biso mboka de toujours freiner élan ya développement ya Congo moi je pense na utero loba awa les chefs seuls ne paient rien voilà pourquoi lelo moi lelo oyo batu oyo bazali censé ko accompagner chef de l'état omona un DG ya mobimba ya DGM allez-y comprendre redoc ya Sud Kivu qui est censé ko pesa information vraie na niveau ya chef ya gouvernement pour ba traquer ba ennemi yemo kaza impliqué na ba contrebande oyo ya ba minerai ya mboka na biso yango to risa kibino ke mwana mboka pardon le rwandais Paul Kagame azaki na ba ramification ben na kata mboka na biso ezaki tout est réseau ya ba mafie oyo ezaki installé na kata mboka na biso pour na ko piller nos richesses koto to mona ba M23 koto to mona mwanga chuchu koto yo ba congolais bazay impliqué na kata bazo fournir ba minerai na Rwanda pendant que le Congo déjà to bloqué ki déjà Rwanda to fléchir Rwanda tam to chaki président décrété ki état d'urgence tam to ba ki mwanga chuchu ezaki déjà fragilisé ki économie à Rwanda nzoka ba complice msu bazaki ba tsikela ki no bazaki ki bele yango ba bibi na poisa to mu na ba DG ya DGM to mu na ba redoc ya Sud Kivu ya ANR to mu na ba DG ba directeur ya CEC et ça la passe mwana mboka voilà pourquoi lobaki bato faut ba sibir vraiment rigueur ya loi s'il faut les pendre pour servir leçon moi je pense faut ba pendre bato oh parce que trop c'est trop avec ces pays jusqu'à quand mboka yo côté lema jusqu'à quand Congo va se la développer na ba attitude ya ba congolais jusqu'à quand yango na yebisa ki OK ba benga biso ba congolais ba bemwe pa mbati bazo ki te ko comprendre l'homme congolais congolais soko lingo ezali bière masanga mbongo na mwasi voilà yango ezako se justifier na ba attitude ya boya ba haut responsable ya l'état ba service à l'état baza impliqué na mafia eza regrettable na ba libanais na ba indien o bazali ba fournisseur secondaire et ba minerai ya Congo na Rwanda ezali déplorable mon cher ami ozo senga ba subir rigueur ya loi ba subir ba salama et ba ma sanction moko exemplaire po ba o ba tikali o ba sa ba bêtise oyo ba meka suko sala yango ti trop c'est trop jusqu'à quand Congo ko telema jusqu'à quand ba propre fils ya mboka bango bazali ba principal
auteur y a trahison yambo kanabiso. C'est vraiment regrettable. Moi je pense que la justice congolaise et ça la moussa na yango va punir bango sévèrement s'il faut le pendre. Ba salango en public pour servir leçon na ba traître au basani au sali au sous trahison. Pendant que le Rwanda est le pays agressé, pendant que le Rwanda qui agresse notre Congo à cause de nos minéraux, président a joué à mesure moro conservatoire y a qu'au suspendre. Ba accord na ba traité ça qui signé y a économique na Rwanda bino ba congolais bozo fourni Rwanda ba minéré. Allez-y comprendre jusqu'à quand congolais tu rejoins la naïveté na niveau wana, jusqu'à quand tu rejoins la inconscience na niveau wana. Moi je pense que les congolais faut pas comprendre makambu oyo ça on amboka oyo ce qui te comprendre yango te ali passi lobi to ko sutuka na ba jugement ya boyé mboka oyo kee kawani parce que congolais sont des inconscients yango est prouvé, c'est justifié. Nasisi na ba haut responsable ya l'état, ba service à l'état. Et ça li pas si mine comme on a ba haut responsable ya service ya l'état ko kota na kati ya mafia et puis ko permettre ceux qui za qui attaque mafia ezali entre bana mboka mais ko permettre ba étranger baza na facilité ya ko sala ba transaction pe ba transit ya ba minéré ba transaction pe ba transit ya ba affaire illicite na kati ya mboka na biso ezali ko sala pasi lelo to ali kolobela développement ya mboka na biso lelo to ali kolobela lelo to ali kolobela la situation c'est ya sécurité ezali pasi na partie est ya mboka na biso mais ezali ko kamusa biso ko mona bana mboka to ali kolobela. Est-ce que les autres koloba étaient bah moi ngai chouchou les autres koloba étaient congolais azali financé na partie est ya mboka na biso pa ya Paul Kagame pa ya ba kolit réseau mobimba nenga ni tokoki lelo oyo ko démanteler pe ko silisa réseau ya ba rebelle ya partie est ya mboka na biso moi na mboka na ebisa ki oké Tshisekedi a hérité mboka oyo était kama pendant plus de 4 décennies. C'est tout un réseau oyo ezati installé pendant des années na mboka na biso oyo ba impliqué ki na ba na mboka ba za impliqué na réseau wana. La preuve est là. Au-delà ya ba étranger to décrier awa, au-delà ya Rwanda na Kagame, il y a des Congolais aussi qui participent na kata réseau wana. Les preuves sont là papa. Est-ce que ba tuana otangi wana ba DG ba redoka aner ba za ba étranger ba rwandais, mais ce sont des Congolais. Mundela yebaki pour que plan de réussir, il faut aussi impliquer certains Congolais. Et on a autour de ça, ah ouais, nous avons des députés. Oh, bah ça, qu'on entretenir le groupe armé. Oh, bah ça, on va carrément y appeler ça bango. Voilà, les preuves sont là. Réseau, c'est-à-dire tout un réseau. Oh, ils ont senti que nos services, bah, ils un peu vigilants. Parce que ces réseaux, heureusement, les autres, tout le monde, depuis l'avènement, à moi, Namboka Félix, dans le sommet de l'État, tout le monde va dire qu'on démantèle le réseau, on a petit à petit, on va dire qu'on a une ramification, il y a un réseau, on a. Les preuves sont là. Moi, je suis arrêté, les lots. Tout le monde est état de siège et mettre à mal l'économie rwandaise. Tout le monde est là, bah quoi? Na ba service na biso, bah quoi? Na réseau bah congolais, na ba étranger bah accompagner kabango, les Libanais et les Indiens. Oh basako fournir bah minéraux, na pays local la Rwanda, eux avaient pays agresseur na biso. Pendant que le gouvernement congolais, le chef de l'État, a katati bah coopération union économique na Rwanda, il avait suspendu tous les accords économiques aux acquis signés avec le Rwanda. Mais voilà les Congolais verrés. Oyo basa au service ya Kagame, bazo continue ko fournir Kagame ba minéré. Basa ko alimenter économie rwandaise pour baso ma minduki, ba tuer ba peuple congolais. Voilà les limites des Congolais. Est-ce que tu veux comprendre que par rapport à la situation au Union so oyo parce que lelo oyo tolobi était ba M23 lelo bazali fouillé, bazali ba longoli ba teni ba komi ba civil, mais bazali na armement té. Est-ce que lelo to koloba est-ce que ezali na ba congolais oyo et ba servaka na ba M23 na ba zone peut-être, ce qui n'est na frontière, M23 à côté na frontière. Ba fouillé, bazali fouillé, bazali nyonso ba yoko sala pona ces mesures de sécurité, ba moni été eloko ezali té. Maintenant ma repousse na à 10 km, ba moni mutu oyo à côté azalaki na eloko té na maboko. A comme une amunduki. Est-ce que les Zaïna bas congolais ont le pété basali pour fournir à M23 on a bas facilité pour que bas bon bas bande voilà bas congolais. Bien sûr que oui, na auto ebiso awa, mais les preuves sont là. Nous avons des députés nationaux qui entretiennent des groupes armés. Na auto ebiso awa, nos services de sécurité et auto ebiso mettre le main sur les éléments à M23 au niveau à Goma. Basali main vide. Mais posez-vous des questions. Est-ce que bas quand ils main vide ba ko soit armement wapi et ko na frontière nini na otia ko ebisa ok awa que il y a des caches d'armes o ezali na ba territoire na biso wana sont des positions avancées à M23 na Kagame.
Vous comprenez? Il y a des caches d'armes. Na uta ko yisho na émission précédente awa ba kuta ba caches d'armes na ferme ya Wanga Chuchu. Ce sont là des positions avancées à M23 na kata Congo. Na kata Goma ezali ba caches d'armes. Ce qui nous service ba travailler encore dire ba ko découvrir ba caches d'armes. Na Kiliruiru ba kuta ba caches d'armes. Toutes ces caches d'armes sont des positions avancées à M23. Yango moni ba kota na bango mais bredui ba yebi ke ba retrouver ba arme na kati ya territoire oyo bango baza ko infiltrer. C'est ça le problème. Ya otro mi ko banga lelo parce que Goma est sous menace. Ya M23 parce qu'on a arrêté les éléments ya M23 na kata Goma. Baza en tenue civile, baza sans armes, ba zo ba arme wa. Est-ce qu'il y a écoute dans ma frontière? Je ne pense pas. Parce que nos frontières sont sécurisées par nos services de renseignement et des forces de défense. Mais bah, quand on a des armes, c'est qu'il y a des caches d'armes dans la Katagouma. Tout le monde est en haut. Bah, attaquer Masisi. Bah, il y a une résistance farouche à FARDC. Mais bah, contourner le territoire précédent et tomber. Bah, quand on a des armes, il y a des armements wapi. Je vous dis, ces complots, ils ont déjà fait à dessein. Les gouvernements passés, les régimes passés, ba poza ki ba cache d'armes tant oyo ka ki moko ba ngalo ba ki ke so ki bo meki to paralyser mboka oyo ba yeba ki ni ba sala ki na mboka oyo ils avaient déjà kokotia déjà ba cache d'armes na ba différents territoires mboka na biso oyo so ki précisa meki ba créer insécurité dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Heureusement, malheureusement pour eux, ba ndi ko dénicher yango, ba ndi ko déceler ba cache d'armes wana, ba ndi ko zwa yango lelo. Mais silité, je vous dis déjà, il y a un que le col à Goma est sous menace. Il y a quoi M23, c'est que déjà, il y a un d'armes qui sont dans la Katagouma. Il y a nos services, il y a renseignement. Il y a un peu de travail encore d'arrache-pied. Il y a découvrir un cache d'armes dans la Katagouma. Il y a M23 déjà à Tchaki, en amont, avant qu'il y ait infiltré Goma. C'est ça le problème. Voilà, déjà, c'est ça, tu as dit qu'on a été en insécurité, tu as dit qu'on continue la partie est en Mboka Nabiso. Le nom Oyo, c'est le Nord Kivu qui était menacé, Biso dans ce monagi, Nord Kivu, Ituri, et tu as dit qu'on a parti, le nom Oyo, tu as dit qu'on a été en état de siège, tu as dit pour qu'elle permette Kimia et Zonga la partie Wana. Mais le nom, tu as dit qu'on a été en Sabiso, tu as dit qu'on a été Sud Kivu, et tu as dit qu'on a été battu, Oyo, tu as dit qu'on a insécurité dans Sud Kivu. Le nom Oyo, tu as dit qu'on a les Congolais vont aller permettre le trafic de money en gros dans cette émission à l'élo na bas tout tangi peu bas combo togo bande les supportants bas combo na bango et zali bongo Solage Diabile tu zali DG directeur général adjoint et provincial ya DGM structure mon nene boya mboka na biso et tu zali bongo na Kwame Lidodo directeur général provincial ya service ya ANR tu zali bongo na Cheze Mwepu Katombe zali bongo directeur général provincial ya CEC et bongo bongo na Ide Bakula azali bongo conseiller ya gouverneur ya Sud Kivu lelo oyo toli komona ete ezali nango déjà réservé parce que kalamingi peut-être komona insécurité et continue sur na Sud Kivu et ko senga biso sur toti na lisusu état de siège ti na Sud Kivu. Est-ce que lelo oyo moyen ezali te mona mboka to kata hémorragie wana na Sud Kivu parce que ezali de trop lelo tozali komona ndenge kani koloba na gouverneur teongwa budget lelo oyo bah tout le temps malgré qu'on fustige gouvernorat naïe malgré qu'on fustige manière naïe à gestion bah Congoman ni monsieur malgré qu'on banque malgré qu'on le bah été tes alliés menaces malgré qu'on sort dans tes ongles budget ezali boy les loyaux bah député provincial bah rétablir et bah c'est une motion pour la censure tes ongles budget à l'ongwa les loyaux na katia cour constitutionnelle bah zongi si bah rétablir moi na tes ongles budget. Est-ce que insécurité ezo outa na Sud Kivu lelo oyo ezali pe a tête ya nani ya gouvernement provincial ya Sud Kivu te oyo ezali déjà ko bangisa ete na continuité ya boye infiltration ya boye tina na kati ya bureau ya gouverneur provincial tina kati ya cabinet ya gouverneur provincial infiltration ezali ko salema trafic ezali ko salema. Est-ce que lelo oyo ezali ko bangisa te que soki lelo oyo ba rwandais ba koti na kati Sud Kivu et vous avez permis na kati ya ba haute hiérarchie ya yambo kanabiso. Mais déjà ça prouve à suffisance que déjà que il y a complicité même na kati ya gouvernorat ya Sud Kivu parce qu'il y a un conseiller qui est impliqué na contrebande wana. Il est conseiller du gouverneur au azali en place Teongwa Bidje.
oyo assemblée provinciale ezali kokoyisa à tout moment mais bazo rétablir yé nazoe baté bazo rétablir yé sur base ya quel principe nazoe beloko wana té pendant que l'assemblée provinciale na ba prérogative na yé ba estimer que les gouverneurs Théongo Abidjan il est incompétent alors ça Moussa Malam té ba koyisé mais comment est-ce que même le VPM intérieur azo rétablir yé toujours na ba fonctionne yé. Moi, je pense qu'il y a à boire et à manger. Moi, je pense que le président, il faut avoir une mesure moko draconienne à l'endroit il y a Batou Oyo, Baza complice dans Katambo Kanabisou. Pour moi, le président a tcha état de siège dans la province Union soit parti Est Wana. A tcha état de siège, a tcha militaire dans le commandement et que ça malamou. Pour tout le monde, na Ituri, vous savez, moi, dans Mboka, je lui ai dit, et ça lui a félicité. Depuis qu'a commis, on a dit, diminution, même il y a opération, il y a capacité à nuisance, et c'est un peu réduit parce qu'il y a un militaire qui est à la tête là-bas. Tout le monde peut être à Nord Kivu avec moi, Constant Dima, Moussa Lesema Malamou, mais avec Théongo Abidjan, il y a à boire et à manger. Moi, je pense que l'autorité a mon atal un peu, problème, il y a Théongo Abidjan. Bah, quoi, il s'y est plus de trois fois, mais il a toujours été rétabli. Pour la raison qui nous a été raison fondamentale, il y a pour rétablir les hommes en athée, raison valable et alité. Pendant que nos députés provinciaux, na kati ba prérogative na bango, ba estime que moi na mboka, Théongo Abidjan, a osa Moussa Malamouti, ba quoi ici. Mais akende, ba ou quoi ça, gouverneur ya Tanganyika, à quoi pourquoi elle n'est pas rétablie, quand Théongo Abidjan. Pourquoi seulement Théongo Abidjan parce que bah parce que bah trafic ils allaient qu'au salé mais ils allaient qu'au bimisambongo ils allaient peine à battre nous ils allaient qu'au zokanya car ils allaient qu'au permettre hier ensemble ils allaient le coup là émissaire ils allaient bouquer émissaire là bas moi pour que mon gars bimaka pour que bah trafic et salé magana sur qui vous y ango les loyo et bimina mis un poisson mis sur battre nous mais cela se justifie c'est que hier ces gouverneurs là Azana Batou, oh, ils ont tout un réseau. Naba, oh, magistrat, bah, na kati ya Kinshasa, awa, bah, liya kana assiette ya Théongo Abidjan. Parce que je trouve mal un gouverneur, oh, bah, destitué de ses fonctions par l'Assemblée provinciale, bon, rétablir, sans soubassement même. Pendant qu'il y a une autre gouverneur qui vient d'être tombé, pour une bonne réhabilité. C'est ça le problème. Pourquoi seulement Théongo Abidjan? Beaucoup de gouverneurs, bah, quoi ça, bah, quoi ça, Joé Kabila. Pourquoi il n'a pas été rétabli? Seulement Théongo Abidjan. Qu'est-ce qui se cache derrière qu'on rétablir ya Théongo Abidjan? Il est en connivence na beaucoup d'autorités bah na kata Kinshasa awa. On va jouer la même assiette na Théongo Abidjan. Il va besoin rétablir à chaque fois. Lelo et mon ami, son conseiller est impliqué. Est-ce que son conseiller aza impliqué sans que son chef ayeba? C'est ça le problème. Et ça les magaté. Parce que c'est que si les conseillers étaient impliqués, il faut pas remonter filière. C'est que les gouverneurs aussi seraient impliqués dans la cas mafia wana. Pour ça ma mbongo. Tout le monde a ba kongwe salamaka. Cette contrebande à niveau à Loufou. Vous comprenez? On a niveau à Songolo par exemple. Il y a 18 frontières. Vous comprenez? 17 frontières clandestines. On a ba autorité à Songolo ba yebi. Vous comprenez? Oh, le monde a échappé à un trésor public et qui est dans la frontière clandestine. 17 frontières, je vous dis. Pour la, par exemple, un conteneur à 40 pieds, on le fout à 12 000 dollars et il y a la frontière clandestine et puis c'est 6 000 dollars. Et ça, il y a Songololo. On vit eux aussi, il y a l'autorité, il y a Songololo. Vous comprenez un peu ça? Donc, contrebande, wana et ça, il n'y a pas embatté. Vous comprenez? Il y a la contrebande horizontale et verticale. Vous comprenez? Nous sommes pays matière ou la contrebande malam. Ce que vous savez, c'est qu'il y a des autorités au bazar impliquées dans la contrebande ou la verticale. Et ça, je ne m'a pas embatté. Parce que je ne pense pas Redok ou la DG ou la cause risque la contrebande sans pourtant le chef de bombes à l'impliquer. Je ne pense pas. On appelle ça contrebande verticale. Et ça va toujours avec les autorités. Au dignitaire, au magistrat. Parce que on est couvert dans la contrebande ou la. Que les chefs font la mission. Na contrebande wana et cela mana songololo à l'heure où nous parlons mon besoin échappé à la trésor public na niveau frontière à Loufou et là la contrebande na ba frontière mo clandestine à complicité na ba autorité ya songololo je précise bien ils sont impliqués à ça parce que na mona o azalaki maire ya songololo à traduire la justice ba libéra bango vous comprenez moi je pense que les chefs a beaucoup de travail à faire dans ces pays. Parce que ses collaborateurs ont été. Donc, tellement
ADN na bango ezali ya ancré na mafia, il est très difficile. Vous comprenez? Tous ces gens, ezali bateau, tu sais que d'accouter le pouvoir. Et ça système ezali déjà ancré na kata mboka oyo. C'est difficile pour démanteler le réseau. Parce que contre bande de sala magawana, ce qui ezali horizontal, beaucoup découvriront facilement. Mais sur les horizontaux, c'est très difficile. Au moins, on a un haut magistrat qui est impliqué. Les hauts militaires, les hauts gradés qui sont impliqués. Et les dans le silence, ils sont battus. Les lots, heureusement, c'est la demi-heure pour découvrir. Ce qui déjà un redoc qui est censé donner des informations dans Mboka. Mais ils sont impliqués. Allez-y comprendre. Est-ce que ces chefs à lui sont informés de l'eau? Moi, je pense que. Service Oyo, ba pesa ka ba information peut-être le coup la année résaté na monde entier. Et ça aussi la passe comme on a ndenge nini mutu ya aner ya province ya Sud Kivu. Yé moko na kata trafic. Est-ce que lelo Oyo ba information peut-être a pesa ka na Sud Kivu. To a relayer ka awa na direction générale na Kinshasa. Est-ce que dans la ba information vrai? Est-ce que yé moko a koti sa ka pe ba étranger na kata ya Sud Kivu. To ikolo ba yango. Na uto e bisayo awa makambu ya est c'est tout un réseau. On a impliqué tout le monde à tous les niveaux. Sokozo mona déjà bazo ko sa chef de l'État. Effectif, il y a un militaire à niveau à Goma. Allez-y comprendre. Bazo Kosa, je dis le chef de l'État. Pendant qu'il y a un redoc, il y a un air, il y a un commandant, il y a des miens dans Nord Kivu qui sont censés donner de vraies informations au chef de l'État, mais Baba Ngite, ma pèse ma fausse information sur les effectifs militaires. Allez-y comprendre. Autant de choses. Awa, Makambuya Est, il y a à boire et à manger. C'est tout un réseau. Il y a un peu de Congolais, il y a un immeuble, il y a Congolais. Il y a des généraux, des hauts magistrats, des hauts fonctionnaires de l'État, il y a un immeuble, il y a Congolais, la partie Est, il y a un peu de ça. Parce que l'ennemi, avec le côté de la Kounayote, ce qui est le colonel de Fungoli pour citer, les impérialistes ayant compris cela, il y a un moment où il y a un complot qui va impliquer les Congolais à tous les niveaux. Na niveau ya armée, na niveau ya la police, na niveau ya service à renseignement, na niveau ya gouvernorat, ils allaient bien structurer ces réseaux. Ya ngomo ni passe oyo chef de l'état ça dans lelo ya ngwana. Il va travailler avec qui? Après si yo confesse aux Congolais. Olé aïa, alongo la bio na musala. On a des combattants qui souffrent, non? Des combattants qui ont travaillé pour que pouvoir rejoindre. Ils ont payé de leur sang. On est là papa. Toi, l'expertise, nous sommes des universités. Maintenant, les gens sont les locaux. Mais tu sais qui est d'attaque démocrate. Alors, que non, n'a pas eu la politique qui était télémawana, n'a pas eu la combattant. A Pessimino, confiance. A Talisimino, vision pour le Congo. A Laximino, Bolingo, Mboka. Mais voilà ces gens. Des incrédules. Oh, bah, ça n'a Aden, y'a Kopola, y'a corruption. C'est ça la conséquence. Moi, je pense que le chef a comprendre maintenant. Il a tenté tous ces mondes-là qu'il avait trouvé sur place. Bah, on ne va pas décevoir rien. À tous les niveaux. Maintenant, les revenus, à prendre conscience, à travailler dans le combattant, on va souffrir. Moi, je pense que si on a un combattant qui a milité pendant plus de 37 ans au pouvoir ou en opposition, au PC poste à responsabilité, on s'en va jeter. Ah ouais, c'est ça la vérité. Parce qu'à Bouni, nous avons payé de nos sangs. T'as sali ma prison pour pouvoir ouvrir vendre. Les où en sommes nous les loups va combattre va entrer dans sans été. Vous comprenez? Au profit à Batou, on va combattre mis au lobby. Mais bas zone la même pratique na bango wana, bas zone continue na yango. Moi je pense que pour mettre fin à cette hémorragie, chef, tu n'as plus le choix de faire sauter tous ces mondes, de les faire sauter, de combattre avec expertise. Nous qui vous parlons, c'est la formation. N'aibi comment nous rebloquer contrebande. Vous comprenez? Tout ça, toi, bah, universitaire. Ma compétence, c'est Zali. Mais ces gens, oh, le PC, bah, moi, confesse, ils vont trahir, yo. Même ceux qui vous entourent, bah, trahir, yo, les lots. Oh, yonde, on se la redéfend, mais pas le peuple qu'on a en 2023. Et ça, bah, moi, t'as. Au moment qu'ils vont travailler contre eux, n'aibi, c'est que même tous ces aventuriers à Union Sacrée, ils sont venus pour leur vendre. Bah, quoi, y'a, kayote. Bateau, bah, quoi, y'a, yo. Ils ont combattu un IDPS. Pour qu'il passe à pouvoir ou. Mais tous ces gens, bah, j'ai déjà Kabila, Azar déjà DG, j'ai mis ça en Haïti.
ekosala yini ekosala elobote okutanga idgea okutanga redoka anel yebisangai est ce qu'on a succès au aider mboka keliboso pendant que a déjà impliqué na réseau wana mafieux oyo ba proposer ba milieu ba dollars na makile ba kongola partie est. C'est ça le problème. Naibi Sakio Awa, même nos frères de l'Est sont complices. Vous comprenez? Il s'est dit, Bisso Batwa Goma, Bisso Batwa Sidi Kivu, Nord Kivu. Mais ils sacrifient leurs frères au profit de l'intérêt de l'homme égoïste. Ils sont impliqués. Il y a des députés, au Bassan, dans le groupe armé. Il y a des députés, au Bassan, dans le carré minier. Qui soutiennent Mwanga Chuchu et tout son réseau mafieux. Les preuves sont là. Que le président comprenne ce que tu es bête, tu lanceras son d'alarme à tous les jours. À comprendre, Bisso. Parce que tu as dit, hey, na ye, lisu ne tomo na musika, poto yebi. Comment fonctionnent les Congolais? Ces complots, na ye, Bisso, tellement, et cela qui tellement ancré dans l'ADN de la Congolais, ils ont passé pour ici. Ils ont passé. Le président a manifesté bonne volonté. À la qui patriotisme. Il nous prêche le patriotisme tant ou nyonso. Azoleka partout au monde, que tu as vu en danger. Pour la côté, il y a que la tisabo lingua, azoporte, n'ambo kanaï. Mais bah, Congolais, bah, je fous ta monnaie de singe toujours. Bah, confie au poste à responsabilité, au combien tu trahis le pays. Allez-y comprendre. Avec qui maintenant le président doit travailler? Avec qui? C'est ça le problème. Moi, je pense que le président, tu as tenté tout ce monde-là que tu avais trouvé au pouvoir. Bah, moi, nous, on va foutre la monnaie de singe. Essaye aussi avec les combattants. Parce que nous avons les expertises dans différents domaines, toi, Nayango. Nous sommes aussi des universitaires comme eux. Péco, mais quand on peut combattre la chance, on va travailler, on va aider. Tout le monde va combattre à IDPS. On va faire contrebande dans la frontière de Kasumbalesa. Un colonel, il y a OCC, il y a un côté frauduleusement. On va combattre à IDPS. Il y a un bateau à Bongo. Avec l'amour qui va dans le monde. Sur la côte au service. Bah, on peut les meilleurs des mêmes pour Moussalé Kendeli Bosso. Vous comprenez? Mais ceux qui ont besoin de négliger les combattants IDPS, au profit de Batouana, je pense que Bisson de IDPS, Tokozala, devant le peuple congolais, pour justifier Bilena Bisso, avec tous ces gens, Oyo, Mafezali, Ankre, Akata, Adain Nabango pendant des décennies. Voilà, déjà, Ezali Kopesa Pasi Mingi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Fatim Mukwa Tombolo, mon président. Ezali Kolela Nayo. Ezali Kolela Nayo parce que yonde ozali na bonne volonté, yonde ozali na motema apote développement ya mboka oyo esalema. Mais kasiba oyo bazali nzinga nzinga na yo, bazali badongolo miso, bazali batu oyo balingi yo te, bazali ko combattre yo, bazali ko ya, bazali ko sekisa na mino, kasi na motema na bango bazali ko kane na yo mabe. Yango biso ozali ko senga na yo. Tala lelo oyo babimi na mpoisa. Ba haute autorité ya mboka, ba haute autorité oyo tindi opesi mission sali ordonnance présidentielle au tindi na Sud Kivu ba sale la mboka, mais ba kei ba zali ko sale la ba étranger, ba zali ko sale ba trafic illicite ya ba minerai, ba zali ko teke la Rwanda, ba zali ko permettre ete Rwanda azala toujours na munition, Rwanda azala toujours na ba minerai, abima ka premier producteur ya ba minerai oyo zali ko créame ko sale ma awa na mboka na biso. Président Félix Antoine Tshisekedi, Tala bandeko oyo Solange Diabitu azali DG directeur général adjoint ibe ya province ya directeur général adjoint provincial ya DGM. Tala ndeko oyo Kwame Lidodo azali directeur général provincial ya ANER, structure monene ya mboka oyo kokisa ANER Sony. Tala oyo Cheze Mwepu Katomba azali bongo DG provincial ya CEC e bongo na conseiller ID Bakula conseiller à gouverneur Teongwa Bidje à Sud Kivu et Zali Kopé sa passe président de la République Zali Kosenga na yo biso ba congolais biso ba oyo to lingi et développement sale manamboka o Zali Kosenga na yo zwa décision na yo yo moko tala pe ba oyo o tala ba combattant tala ba ndeko oyo ba bundi bitumba pour que lelo oyo pouvoir en place ezala na esika ezali kasi lelo bazali ko se retrouver te ba mayele bazali ba to expertise na mboka oyo ezali ba jeune bazali na expertise ba jeune bazali na mayele ba jeune ba koki ko mema mboka oyo ekende liboso tika ba oyo ba si ba diriger tika ba oyo ba si ba zui ba poste ba lie ba mbongo ebele ya mboka oyo ba pasi mingi soki lelo tozali koloba boye parce que lelo ezali pasi na motema pour la motala nenge nini mongo ba minere ba bola munyoso ya mboka oyo ezali ko kende en faveur ya badongolo misu bato oyo bazali malamu te. Alors mwana mboka lelo oyo tozali kolela tozali ko décrier kaka parce que na moni ete
et singel tolo ba vérité bomba bomba mabe lelo oyo vérité il faut ebima toleli awa na kale na Bukavu ba ndeko plus de 400 personnes ba koufi plan d'aménagement et territoire ya malonga na kale ezate lelo oyo na Lubero na na mardi 9 ti na mercredi 10 na nuit ya mardi 9 et mais ti na mercredi 10 hier lelo tozali j'ai dit hier bandeko 10 lisusu bauti ko kufa 10 morts 10 blessés na pluie torrentielle lisusu yoti ko beta na kati ya Lubero mwana mboka lelo oyo tokoloba nini RDC na biso ekomi kaka soki ata moi mvula mukie bandeko insécurité soki ata moi catastrophe moko naturelle bandeko bazali na kobanga est-ce que mboka oyo toko vivre kaka na kobanga est-ce que lokoni est-ce que eloko ya malonga si ezali biso ba congolais to vanda na mboka na biso na kimia moyen ezali te mwana mboka eza pas si mwana mboka komona encore 10 morts de plus ba oyo complété les 176 ba oyo kufa na kale awa ça fait très mal toujours compatir na ba famille wana ou ba perdre encore le membre de leur famille à cause il y a mauvaise politique il y a aménagement du territoire na mboka na biso vous comprenez il y a moi ko interpeller l'autorité de référence moi na mboka Guy Luando wapi plan il y a aménagement du territoire il y a Congo pour na ko éviter ba biloko ya Marco Oyo et je sala ma 10 jours au jour na kata mboka na biso ba Congolais ba kufi trop ba zokufa na bitumba ba zokufa na epa ya Kagame ba zokufa sous na mbula parce que plein d'aménagement du territoire et de Congo exacté c'est ça le problème mais quand tant que tu es ministre wana il faut qu'on apporte ma solution c'est ça le problème lorsque vous êtes responsable dans le secteur wana il faut qu'on apporte solution la place va confier ma responsabilité vous comprenez vous devez élaborer un plan d'aménagement du territoire pour la Congo mobimba pour la mettre fin à la catastrophe il y a inondation dans le cannabis. Ba Congolais ba kufi trop jusqu'à quand to continuer ko kunda ba Congolais jusqu'à quand ba msu ba kufa na nzala ba msu ba kufa na guerre oya mai baye papa trop c'est trop voilà pourquoi j'en appelle à notre ministre d'aménagement du territoire mwana mboka Guy Luando Mboyo on a eu quand même bravoure na yo papa lamuka sala musala comme il se doit lorsque le chef avait porté son choix sur vous parce qu'il y a eu ma capacité, ma compétence. Mais vous devez le prouver sur le terrain, mon Amboka. Vous devez le prouver sur le terrain. Tout le monde qui a des bandes, comment ça a été un peu dynamique. Mais cette fois-ci, on dirait que là, la pongi. Tellement, mon Amboka. Pour élaborer plan de l'aménagement du territoire, on a constaté que Mboka n'a pas épargné la catastrophe naturelle, la inondation. Parce qu'ailleurs, il y a eu la catastrophe. Parce qu'il y a un plan qui est mis en place. Mise en œuvre pour que Babylon Kouana et comme la Bangou Bambou Kana Bangote. Pourquoi pas chez nous ici au Congo? Moi, je suis Guy Luando. Tout ça qu'on interpelle, salam ou salam comme il se doit. Vous devez aider les chefs de l'État dans ton secteur. Vous aidez les chefs de l'État. Vous comprenez? Tant que je suis poste, je ne peux pas servir, non se servir. Vous devez servir le peuple congolais dans le secteur où on va confier par les chefs de l'État. Mais quand un peu comme ça, il y a un mot, il faire voter un projet, une proposition de loi awa, par rapport à la politique et l'aménagement du territoire. Vous avez créé des agences dans le ministère, mais vous devez continuer encore. Il y a un plan pour l'aménagement du territoire pour permettre d'arrêter l'hémorragie parce qu'il y a des morts de trop dans le monde. Comme on l'a fait, Mingi, il y a récemment 176 morts dans le Calais. Et bien, c'est 10 awa na Lubero. Trop, c'est trop. L'homme, c'est son boule, Betty. Bah, on couvre combien? C'est ça le problème. Faites quelque chose, son excellence. Faites quelque chose pour aider les Congolais. Parce que ce qu'on a comme ministre, c'est pour servir les Congolais. C'est pour matérialiser la vision du chef de l'État dans le secteur où on a confié. Moi, je suis Guy Luando. Tu es bien que tu es dynamique. Tu es bien que vraiment, on a un souci à bien faire. Mais quand un peu qu'on fait la muscle dans le secteur où on a, on met un peu qu'on arrête l'hémorragie. Il y a un plan d'aménagement du territoire où on a arrêté l'hémorragie. Voilà, déjà, je vais dire que tu as vraiment dans la carte de l'émission. Tu as toujours que Congolais Télévision.
télévision. Congo Live Télévision est à Gatine à présidence. Congo Live Télévision est à Gatine à diaspora ou Bazali. Mulibana est Mboka. Tina ne connaît soit Azali. Azala Nanganda Jika. Congo Live Télévision est Zali parce que Mboka n'a pas son connexion et comme Akati Kuna na Kati parce que Bango Bazali Kolanda Biso. Tozali Kolobabo est parce que pas si elle est Kimingi. Ba Congolais Bazali ko souffrir trop. Ba Congolais Bazali ko subir. Ba massacre, ba agression. Le lo est comme il souki. Catastrophe naturelle est yé. Ba Congolais Bazali Kolela. Soki Mvula Kaka est bête. Mvula ya pambe beti Kongola zali kobanga parce que ayebike ndako ekokende ayebike biloko nanga ekokende na kobandela vie à zéro jusqu'à quand président de la république telemana nutala secteur ya aménagement du territoire lelo oyo parce que bazalaki na mayele ya ko prévoir te yango oyo nzamba zali kobimisa ministère ya aménagement ya territoire na mpoisa lakisi ete bazalaki kosala musala te bazalaki konimba tango yo zali kobenga gouvernement ba warrior bango bazalaki ba warrior te bango bazalaki nanu kopema nanu bazalaki ko jouer ba jeune itenu na ba bureau les lo oyo nzamba lakisi bango gilwa ndomboyo nzamba zali koteya yo tika esika wana parce que esika wana ebongi na yo lisusu te parce que nzamba lakisi yo que oyo zalai kozela ozalai kobimisa ba agence les lo oyo bimisi ba fond ya aménagement du territoire esika wapi ye ozali kokosa biso na briefing que loi ya aménagement du territoire ezali bloqué na assemblée nationale aussi longtemps que effort moko te ezali kosalema attend que yo nande ko la relation à parlement bon même à porter loi wana bon ta pression na président ya assemblée nationale pour que ba député ba meka un peu kota la loi wana mais ozali moto liboso ba fond ya aménagement du territoire ba agence ya aménagement du territoire au porter ya moli boso ole que olande la loi pour que ministère na yo et comme na crédibilité le quoi ba ministère nyonso ezali régi na loi wana le lot ezali koloba ete ministère ya aménagement du territoire na pilier 4 ezali 4e pilier na kati ya gouvernement sama lokonde mais 4e pilier où ils allaient comme on na eloko moko te donc président de la république tali ko senga na yo lelo tali ko le la technocratie to lingi sous méritocratie oyo onion soit awoya pour travailler ou à la contre ya vision na yo biso population to ko senga na yo o tia elibanda to sengi na président de la république c'est la biso mwana mboka o gilwando azali mwana mboka to koboya ete c'est la biso elibanda to na posa aménagement du territoire oyo lelo oyo plan aménagement du territoire azali ko yebisa biso te ekozala exécuter na 2050 biso na posa Léo est avancé significatif et mon ananan. Tu as 2050 c'était parce que les Congolais ont beaucoup fait belé. Ba koufi na kale plus de 400. Léo est la loupe ou plus de 10 morts. Léo est na ba catastrophe. Il y a beaucoup fait sous combien. Président de la République, tel a dit sa situation. Léo est moins en bas que la population. Il y a Est. Il y a un départ. Il y a EAC. Tu as dit que le bas, na kate émission à Léo est. Tu as dit qu'on déplorait. Tu as dit qu'on déplorait. Tu as dit qu'on déplorait. Lelo lisusu EAC force régionale et faillir na mission na yango tomoni batu oyo baye ole ba apporter mais plus na FARDC ba bani na bango ko yamba na ba rebelle to eba ki ete résultat ya malonga e kozala te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ina Botswana a sali déclaration lobi ete na mois de juin to ko évaluer et puis to koloba na EAC ete Congo na biso to lina possibilité ya ko renouveler mandat na biloté bokanga bisaka bokende population ya est mobimba to landaki déclaration na bango to landaki ndenga nini babi bazali mobiliser EAC kende parce que soki ekeite na mois de juin bazali ko bongisa ba marche oyo ko salema mwana mboka lelo oyo EAC e faillir na mission na yango to ko sala nini na partie ya est na biso mwana mboka je pense que to décria ki d'abord même ko ya EAC wana Dans le bas, au cours d'une émission que EAC a apporté solution pour le Congo. Les preuves sont là. Et résumant, c'était pour le chef de l'État, comme tout parent, à la recherche de la solution. Il y a un Simba Awa, dans l'espoir que l'EAC pouvait donner le meilleur de lui-même pour aider le Congo à la situation qui dure plus de 4 décennies. Je pense que les complots à EAC ont déjà avorté. Le président a court-circuité réseau Anna. Lorsque le président a tenu son discours na kati ya Windhoek, ya koloba ke non, ba résultat ya EAC est satisfaisant. Je pense que moni koma Rwanda na Burundi ba sauter na bakiti et pesi bango vertige parce que leur mission ba faillir na mission na bango. Leur mission est une mission observation ti. Malheureusement ba awa ba comme le banco beta masolo ko yamana na ba criminel ya M23. Pour avoir l'accès à ce que, bah, il y a eu depuis quand, bah, il y a eu depuis quand, non, tout est bien. La population a totalement raison. Même le président lui-même a reconnu que le résultat est satisfaisant. Il y a eu un signe lorsque
mandat na bango et comme à terme na mois de juin ba renouveler yango te yango moni leur secrétaire général Kenya wana abimi mbangu pona ko fistiger o ezalaki discours à chef de l'État mais c'est Peter Matuki wana alobi que non le président ya Congo ariko lo babongo te basali ba avancer moko significatif na petit avancement na sali par rapport ya nini pendant que le M23 de l'autre côté baza ko se renforcer mais quand il nous dit que basali ba avancer significatif na ebi so sali ngona mboka na ye ou bien na kata Congo le président les congolais toi sous ba député leur complot est avorté yanga oni lelo oyo Rwanda na Burundi ba telemeli ko ya Sadek. Moi je me demande est-ce que ngai muna senga ki yo ede ngai ce qui na boy na nga aide na ko bi problème. Est-ce que aide c'est la ramasse? Le Congo a refusé aide à EAC. Mais ils n'ont qu'à libérer le territoire congolais. Mais pourquoi Bazako s'accrocher? Pourquoi Bazako s'accrocher? Pendant que ça dit aide Congo c'est Ngakibino. Mais na renoncé na aide wana, na boy aide na binu. Mais pourquoi Bazako s'accrocher? Songa zaki EAC. S'il n'y avait pas des intentions de nuire na Simana Bango, balenga ba plier bagage. Ba remercier Congo to monique Congo et ambati biso malamu ba sepele so tokeyi na biso mais pourquoi bazo persister qu'il faut ba renouveler toujours mandat na bango pour quelle finalité? Parce que le complot est avorté, le président a court-circuité complot wana bazati surpris ya komona discours à président na kati ya window kukuna ya koloba ke non asengi ba troupe ya SADC ba déployer ba troupe ya SADC ba ko aider biso na kata ya Congo. Il y a un moment où les Rwanda et les Burundi ont sauté, ont influencé le secrétaire Peter Mutumu qui a fait la déclaration contre le discours du chef de l'État. Vous comprenez? Moi, je pense que les peuples, la EAC, ceux qui ont la EAC, ont failli dans la mission de Bango. Ils ont été traqués. Le groupe armé a été traqué les terroristes M23 et puis ils ont pacifié la partie est de l'Abisso. Par contre, si le terrain est moni, résultat na bango est satisfaisant. Vous comprenez? Yango le président ya Congo a estimé que comme résultat satisfaisant, il faut qu'on ait bisakabaki na bango. Mais pourquoi ça dérange les Rwanda? Pourquoi ça dérange Uganda? Mais parce que déjà ba goûter na bilengi ya minere, tala mwa na mboka. Lelo oyo ba Kenya, soki yo moni ndenge nini ba force régionale, lelo oyo Jeff Niaga tala ki commandant ya force régionale. Tant que Jeff Niaga a démissionné, Mbalamoko moni que Kenya a zeni a tete, moi a permis a tete Mbalamoko paf a nommé Alpha. Yéwana a yembango. Parce que ba goûte déjà elengi, ya ba minere, ba goûte déjà ba trafic qui nous va dali constala na parti est ya mboka na biso. Yango moni balingi ko tika li sous tante moi na mboka. Yango na auto ebisa yo, balinga te, ba okende. Parce que Congo, biso yo te invita ki bango. Biso yo ba kende, ton lingi sous te. Mais pourquoi ba rao s'accroche? Bon, ça, pourquoi le Rwanda et l'Ouganda ont été déployés à SADC? Qu'est-ce qui se cache derrière Elokouana? Mais parce que vous avez dit que SADC a quoi? Les loyaux, nous avons dit que nous avons dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons dit que nous avons dit que Congo. Les loyaux, nous avons raison, nous avons compris comment nous avons démantelé. Donc, nous avons dit que 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 nous avons dit Burundi ningani qui est ningani parce que ba goûter déjà mabele ya mboka na biso ba yebi elengezali na mabele ya mboka na biso ba kolingate SADC akoma ade abimisa na poisson makamino so badali kosala pe mwana mboka ezali kobangisa lelo oyo soki lelo oyo EAC e boyi kolongwa na parti est ya mboka na biso est-ce que kozala bitumba lisusu te entre SADC na EAC pour que tobengana na SADC na ba rebelle ya M23. C'est pourquoi certaines opinions pensent que les deux blocs wana et qu'on s'affronte dans le sol congolais. Les SADC et puis EAC. Parce que comme mon déclaration à secrétaire général Peter Wana, vous sentez que pour naïe, il faudra bah, renouveler le mandat na bango. Mais moi je me demande, bah, renouveler le mandat pour na Moussani ni Boussali na kata Congo. Babenga qui veut aider Congo. Les pays ont invité qui même c'est une invitation pour un bon canabango. Bangonde va s'engibo libérer un bon canabango. Mais pourquoi bozoboya? Pourquoi vous vous accrochez? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et on a entendu ça. Ah ouais, Félix Tshisekedi a court-circuité,
à coup circuité complot na bango. L'air complot ya ESC ils a avorté maintenant parce que Félix a kati bango souffre na kati pendant que bamba ko se préparer avec les M23 bako isa Goma tu sais que la surprendre bango. Donc dans le mois de juin alors déjà il va déjà déployer ma troupe à SADC na kati ya Congo. Pourquoi tu sais que la police SADC parce que SADC a une histoire avec le Congo. Tout le monde avec Moussa Kabila, SADC et Yahawa, a Ningisa Bisso, a Ningisa, toujours le même mouvement M23 O. À l'époque de Moussa Kabila, tout le monde a SADC, Angola, Bayahawa, Zimbabwe, Banadie, Baeda Congo. Yango Moni, par rapport à souvenir Wana Malamu, le président Mekina Kubenga pe SADC, bien que Tozana est vigilante même contre Bango. Parce que le Congo, et aussi c'était moi, jalousie Moko. À l'endroit il y a sous-région na ba pays na il y a sous-région parce que Congo est un biftec pour tout le monde parce que le Congo c'est une terre promise, tout le monde veut du Congo, tout le monde alinga s'accaparer na Congo. Il y a même koya troupe à SADC wana biso peuple congolais pour ça pour tenir bango à l'air pour que pour to yebi que peu importe la volonté ba cause nango ils peuvent aussi être manipulés par les grandes puissances. Poto yebi, beaucoup de présidents africains, bah, c'est un garçon de course, c'est un impérialiste. Alors, de peur que SADC paye Awa, bah, c'est un dictateur impérialiste. Voilà pourquoi Bissot, le peuple congolais, n'a pas force, force à défense, n'a Bissot, tous à l'impé vigilant par rapport même à SADC, même à EAC Wana. Parce que l'EAC ayant échoué dans son complot, a créé une surprise. A créé une surprise, les lots. Parce que leur objectif, ils allaient que Goma faut tomber. C'est ça, ça fait partie de ma stratégie dans Bango. Parce que ceux qui Goma est tombé, pas Tshisekedi a procédé. C'est ça leur stratégie. Il y a un moment où Tshisekedi comprendra ces jets, à coup circuité, complot dans Bango, et puis le complot est avorté. Il y a un moment où l'Europe est pessie. Rwanda, Kenya, Ouganda qui peut le caisser, bah, par qui a influencé le secrétaire général et l'EAC, à cela, un discours contre notre chef de l'État. De quel droit? Quel courage ces messieurs ont eu qu'on soit devant notre chef de l'État. Oh, il y a un invité qui a été invité. Et puis, il y a un invité qui a été invité. Il y a un invité qui a renouvelé le mandat. C'est une bêtise, moi, je pense. Mais est-ce que Bato Union, comme on a été RDC, est faible pour que Mekarosa ait une déclaration et couper ça. Les noms de mon amour sont congolais. Désolé, que sa population congolaise, Nyonso. Tu le bac à debout congolais, c'est l'expression et l'imposition à quatre hymnes nationales. Nabiso. Congolais, tu le parce que ceux qui ont télémité, bah étranger, bah Rosakana Namboka Nabiso. Bah étranger, bah Rosakana Nabiso, moko bah congolais, parce que Biso, moko pe, tu as à Kolala. Congolais, Nyonso, c'est ce que tu as Kangai. Et si tu as dit Komon Angai, c'est ce que tu as dit Koyo Kamaloba, c'est ce que tu Bima Awa. Congolais, tu le parce que cause Yamboka Nabiso, et tu as dit cause Yabiso Nyonso. Moka, oh, tu as dit Mbi Balete, tu as dit Moko. Ce qui les autres perdent Moka, oh, parce que nous avons dit 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 que nous avons Bazala balinga kite stabilité politique za na Congo. Pourquoi? Parce que le Congo pour essayer une foire. Peut-être va te baye raté. Congo mouté tonga Liban. On a imposé au maréchal Mobutu. Mobutu na Zaïre et tonga Liban. Mobutu abandonné pour financer 5 économies à pays limitrophes à Congo. Il a été imposé par ces impérialistes. Et on a autorisé ça au cours d'une émission. Tala bien. Chaque moka ils ont colonisé par les Américains, les Français, les Allemands, Batouba décide de la colonie Nabango. Mais au Congo, c'est tout le monde qui décide. Il y a les États-Unis qui décident, il y a la France qui est les gendarmes, il y a la Grande-Bretagne. Bon ami, parce que le Congo, c'est une foire internationale, mon frère. La pêche exemple,
tala ba groupe oyo e opera kana mboka na biso ba groupe wana ekota awa soi-disant et qui e bande ko bundisa ba régime mboka na bango aujourd'hui le raid de Tabala et bundisa gouvernement burundi tango boye na mboka bato bosani ba cantonner bino quelque part vous comprenez aujourd'hui ba mbororo ba kima na sud soudan kuna vous comprenez comme nini ba opposer un régime en place aujourd'hui ba ADF nalu ba kima na Uganda ba kota na Congo mais boni les FDLR ba kima na Rwanda ou ba kina ba ngombino mais yebisanga ba groupe wana o ezalaki ba opposer ba régime ba mboka na bango. Mais comment est-ce que dans mboka le pays d'accueil o yamba bango ba andi ko bundisa mboka wana? Et ça paradoxe, nous avons les ex Katangé ba kima na Katangola o ka ba bundisa gouvernement angolais. On a des DSP ba kima na Congo Brazzaville ba bundisa gouvernement brazzavillois. Mais pourquoi seulement ces mouvements o kima na mboka na bango pays o yambi bino mais bozo bundisa bango? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ya on a tous ces mouvements armés o ekima na bamboka na bango ba ndo bousa ba gouvernement na bango ba ya awa ba changer bango mission par ces grandes puissances les raids de Tabala les Ngominu les FDLR les ADF nalu ba changer mission na kata Congo leur mission est koma ya ko bundisa le gouvernement congolais. C'est ça la vérité, vous comprenez? Ils sont du reste ravitaillés par les grandes puissances. Yebisanga mouvement local la FDLR et quota depuis 1994 plus ou moins 20 ou 28 déjà passé. Est-ce que c'est vieux? Bon, ça toujours actif, je ne pense pas. Mais d'où vient maintenant ces FDLR qui opèrent dans Katakongo? D'où vient les raids de Tabala au Baouta na Burundi bande de combattre le régime burundais? Mais comment est-ce que bazou brise maintenant gouvernement congolais? Tu comprendras que c'est un complot. C'est-à-dire ces grandes puissances bazo financer ces mouvements o ekima wa mboka na bango o leba attaquer ba gouvernement respectif wa mboka na bango ba liko attaquer pays d'accueil o yamba bango. Et ça paradoxe que ba cause sa insécurité et bongo bango ba yiba ça. L'objectif c'est quoi? C'est de créer l'insécurité pour que Congo ça se développe, parce que la stabilité politique ezali gage à développement ya Congo. Yango ba bindele ba impérialiste wana ba lingaka toujours désordre na kati ya Congo. C'est eux qui ravitaillent les groupes armés. Ba mouvement wana utema mboka na bango, les raids de Tabala, les Ngominu, les Mororo, les AFDL, les ADF Nalu, qui du reste ne sont pas des mouvements congolais. Mais pourquoi pas combattre le Congo? On ne va pas combattre ba mboka ou ba outi, ba gouvernement na bango. Vous comprendrez que ba changer ba mission par ces grandes puissances. Et au combattre le gouvernement congolais, oh et yamba bamona kata sol naye. C'est ça le problème. Na auto émission awa départ ya EAC s'avère indispensable pour sauver ces pays. Parce que son batikil bango tant nous serons surpris. Par un moment au-delà, le gars va comprendre que non, leur complot est avorté. Leur complot est court-circuité par le président, ba ko précipiter aussi de faire quelque chose, il y a pire na kata mboka na biso. Pendant que toyebi na moment auto lo ba oyo, les M23 sont renforcés. Tout le monde a dit récemment ici, les trois hélicoptères de guerre, il y a l'armée rwandaise, et ça va navette, ils ont ravité ma position à M23. C'est ça le problème. Moi, je pense que le gouvernement congolais va prendre Makambu au sérieux. Pour Nangaï, il ne faut même pas entendre que c'est la sous mois de juin. Il faut que quatre missions en Asikoyo, basons en Bokanabango. Au cas contraire, tu as la guerre. Voilà, déjà na bandi été parce que ezali même déclaration oyo société civile ya est ya mboka na biso, ya société civile ya nord Kivu, et société civile ya ba territoire wana déjà to kobimisa yango kala mingi te ba ezali ko prévoir déjà ba marche oyo ezali déjà na mois de juin contre EAC balobi de bazali déterminé EAC éthique à parti est ya mboka na biso parce que bazali na complot bazali na makanisi ya mabe pour na parti est ya mboka na biso mona mboka to kobimisa biso na suka émission na bandi été message ni okopesa na population congolaise swazuli bakwa kolanda message ezali moko nazo sepela na attitude ya bandeko na biso ya nord Kivu na sud Kivu. C'est ça l'attitude aux populations congolaises en général, il faut pas yango. Malheureusement à Kinshasa, la jeunesse va réveiller. C'est ça le problème. Parce que Makambu eux se préoccupent mboka na biso. Na lo bango à chaque fois, même ceux qui sont dans l'opposition, au bas na pouvoir, dénominateur commun c'est le Congo.
C'est ça le problème. Malheureusement, comme si les opposants bazo comprendre les démarches ou anate. Comme si les opposants eux ils ont préoccupé ils ont le pouvoir pour le pouvoir. Félix Fakende, il faut les élections. Mais moi, c'est le danger, eux, ils ont guetté Mboka Nabissoté. C'est ça le problème. Moi, je pense que j'en appelle à la jeunesse congolaise pour comprendre que les locaux, ils ont la yonangaï. Parce que Mabele Nabisso, ils ont le premier héritage au Nzamba Pesabisso. Autoko légué à nos enfants. C'est ça le problème. Ceux qui m'appellent, eux, qui ont l'élo, ils ont coupé sa barre à Nabisso Nini. C'est ça le problème. Les Congolais vont comprendre. Moi, j'en appelle aussi au ministre de la communication. Comme si il ne fait pas bien son travail. C'est lui qui devait vulgariser cela. Abenga ba jeune tous les na RTLC après sa mission plateau. Topé sa message wana ce qui est na niveau na yé. Asa homme d'état zo banga kuluba yango biso to banga te. Toi peuple congolais, toko décrier complot wana à haute voix. Peuple congolais a yeba parce que na niveau na yé comme si azo banga kuluba yango na RTLC après sa mission plateau, asa des mission plateau. Ce ça forum ya ba jeune. Ton lobe là, toi alerté peuple congolais, as l'averti que les complots et comme il y a la phase Nango Yanini, il y a matérialisation. Rebalkaniser Congo. Voilà. C'est ça le problème. Merci beaucoup, moi, Namboka Nabanzi, président de la République, oh, Azali, cher, Fati Beton, Félix Antoine Tshisekedi, moi, Namboka, de père et de mère, ma kila ya Congo, ya solo, Nabanzi, Ozomona, Nengenini, Bisso, oh, Yotrali, ko défendre Namboka Nabisso, ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, Tolbaki, et Sengani, Naba, journaliste, oh, Bazali, ko communiquer. Pour en faveur ya mboka na biso parce que Rwanda a si a fouti ba journaliste oyo bazali ko communiquer ma ben pour que ba pesa information ezali désinformation en faveur ya République démocratique du Congo. Biso zali ko communiquer pour na mboka biso zali ko lakisa nenge nini mwana mboka mokonzi ya biso Félix Antoine Tshisekedi alingi ko sala ba diplomatie bazali ko sala ba stratégie ya malonga pour ka sauver mboka na biso. Botala koto botala Congo Live Télévision parce que tozali wana énergie oto zali na yango. Force toi les Angos, ezali pona mosoloté. Ezali toi les consala mosala oyo pour que gouvernement bope sa biso mbongote toi les consala yango parce que toi les ba congolais de père et de mère ya makila toi les ko défendre mboka na biso yango toi les consala mosala oyo na bandi ete balandino sur Congo Live Télévision to kouta le micro ezali ko ya na bandi ete moi li ba yasuka pour que to silisa na biso. Merci moi na mboka pona lobo pesinga yasuka yango moni la loi Chani s'avère importante. Parce que nous avons toujours la loi Chani est la deuxième indépendance du Congo contre les mafias internationaux. Ce qui est un récit pour faire passer cette loi, c'est fini avec ces impérialistes. Parce que place de Batikal Nango est la place à loi Chani. Pour ceux qui ont réussi, loi Chani est la deuxième indépendance en Burkina Faso. Parce que l'indépendance, ça s'arrache. Après, ça a une indépendance dans la sanité. Nos pères de l'indépendance, bah rachat indépendance à Congo, au prix de leur sang. Vous comprenez? Le 4 janvier 1959, bisous ma jeunesse congolaise, il faut tout arracher indépendance wana avec la loi Chani qui s'avère salvatrice dans Mboka na biso. Voilà on engana senga yango wana, voilà pourquoi j'en appelle à nos députés, bazali face à responsabilité na bango, ba faire passer cette loi pour que Congo ait soit indépendance na yango, deuxième indépendance face aux mafias internationaux. Mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. C'est le sénateur Marcel de Koutani à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Bon, c'est la malade, mon amabote Nabino.